Bonjour à tous. Alors cette semaine, je lutte contre les limaces. Je vous montre pourquoi et comment je procède. Alors, on vient juste de semer les orges, les colzas, les blés. Et dans les premières semaines, voire les premiers jours de vie de la plante, au stade plantule, la plante va être sujette aux attaques de limaces. Ici un exemple, vous voyez que le plant d'orge est mâché, les feuilles sont mangées, jusqu'à disparition même du plant totalement. Donc ici vous voyez que la plante est réduite de moitié. Ici un autre exemple de parcelle qui a été retournée, ici au centre, vous voyez cette parcelle de colza. Je vais vous faire voir les îlots où ça a été ressemé. Et au centre, ce n'est pas semé, mais la culture est toujours en place, mais une faible densité. On a choisi de la garder. Ici, donc 5 hectares sur 8 ont été retournés. Ça se caractérise par des trous comme ça dans les feuilles, jusqu'à disparition du plant. Ici, des limaces, petites limaces de 2-3 cm, qui sont à l'origine des attaques. Ici, au centre. Une autre limace qui a bien mangé sur une feuille de colza. L'opération que je vais vous montrer consiste à épandre des petits granulés, ici de couleur bleue, à hauteur de 2-3 kg par hectare, une petite quantité, quelques grains au mètre carré, qui vont attirer la limace et qui vont la tuer. Donc ici, tout juste après épandage, vous voyez que déjà une limace est sur le granulé, en train de le manger. Les limaces sont d'autant plus actives que le temps est humide et que le terrain modue. On va protéger la jeune plantule, ici le blé qui commence à germer. L'opération consiste à utiliser un quad avec à l'arrière un distributeur de granulés centrifuge. Ici les grains de granulés à limaces de couleur bleue. On va mettre dans la trémie ici sur le quad. On peut mettre 20, 30, 40 kg de granulés. On peut faire de grandes surfaces avec la trémie, avec la capacité. Il faut prendre des précautions parce que c'est un produit chimique, bien sûr. Il faut porter masque et gants. Et c'est parti pour un tour de quad. On maintient une vitesse régulière de 20-25 km/h. Et on passe tous les 15-20 mètres dans le champ. C'est actionnable électriquement. Ici, le moteur centrifuge se déclenche à l'avant du quad. C'est une opération qui n'est pas systématique, que je vais effectuer si les conditions météo se présentent, donc un temps humide et que la terre est motue, mais aussi si j'aurais piégé des limaces dans un piège à limaces. Je vous mets le lien en haut à droite dans le petit i de l'information. Je vous montre comment piéger les limaces et détecter leur présence. À la prochaine vidéo pour des nouveaux travaux de l'exploitation. Salut !